devons nous passer de la pauvreté à l'extrême pauvreté. Je dis à notre entrée dans la misère sans espoir. Mais il y a des gens qui considèrent Reginald Boulos comme un type extrêmement intelligent, il y a même des gens qui allaient plus loin, qui ont un visionnaire. Qui ça explique que par des simples mots, de, vraiment des simples mots, puisque est-ce que Ouka montre nous depuis toute ton relation avec Jovenel Moïse, ou t'es gagné des éléments palpables, essentiels, des bails clés qui t'es plus ou moins montré ou que Jovenel Moïse était capable de mener pays. Qui ça explique que par de simples mots, ou laissez-vous aller dans Jovenel Moïse? Oui, tout le monde est un bateau. Ça fait ça, nous venons connaître ton bateau qui est engagé juste pour venir chercher pour te faire film. Non, l'autre dit tout le monde est, on va parler de 690 000 qui ont voté. Non. Tout le monde dans le pays a une image, un bateau qui est venu. Et côté que. On va parler de bateau qui te saute en Allemagne là. Bateau banane. Bateau banane. Le président Jovenel a vendu l'idée de ça la fin agricole. Majamal Wanamet, Majamal visité. A gagné son dépensé que le président Jovenel. C'est bon là, j'ai la palette. Le président Jovenel a acheté camion même à crédit. L'a expliqué comment l'usine de l'eau l'a marché. On est que l'usine n'a pas jamais marché, que c'est 20 000 ou 20 camions. C'est pas comme ça. Donc, quelque part, je vais dire quelque chose. Le président Jovenel a une capacité pour bluffer extraordinaire. C'est vrai. Et nous, tous nous prenons là-dedans. Quand plus 500 000 monde, 790 000 monde qui ont voté pour lui, qui fait le battre réellement tous les candidats. Parce que faut accepter ça, que c'est malheureux que les 4 millions haïtiens n'ont pas voté, mais dans 900 000 qui ont voté, hein, c'est une réalité que la majorité a voté pour lui. Donc, quelque part, nous avons été tous pris dans les belles promesses. Le peuple a pris la belle promesse là. Le peuple a été quoi dans le courant 24 sur 24 là? Le peuple a été quoi dans le soleil qui peut le mélanger avec la tête, peut le mélanger avec l'eau pour mettre l'argent dans le peuple là, l'argent dans la poche peuple là, manger dans le lit? Nous tous, nous sommes quoi? Nous même accepté. Et on s'est quitté libre, lui. Nous, on dit ça souvent. C'est pas le premier président qui m'a accompagné dans la campagne. Accompagné Bazin, accompagné Moussot Pédant. Accompagné Leslie Maliga, pour lequel j'ai la plus grande estime dans ce pays. Dans la campagne 2005, et ceci très activement, quand on a parlé dans la radio contre le candidat Breval, il était perdu. Accompagné Madame Maliga, dans la campagne contre Michel Matéli, jusqu'à ce que Matéli t'a fait une interview dans la Nouvelle Liste, il dit m'a fait faux sondage en faveur de Mme Maniga. Et puis, accompagné du président Jovenel, et puis il gagne une fois ça. Ou presque envie de dire, bon, puis tu me déperdis encore. C'est tout. On va y aller l'autre là-dedans, non? Ou gagne, mais selon tout le monde, ou bien gagne, puisque avec l'arrivée de Jovenel Moïse, moins que une année. Et sous pouvoir, Oubral gagne un contrat extrêmement juteux, un contrat extrêmement intéressant pour acheter équipement pour gouvernement, pour l'État haïtien. Dis-moi, et ou pas estimé que avec Jovenel, ou t'es commencé bien déraper? Non, la parole. Parce que Mbazou, premièrement, ou dit un bagage pour pas caractériser son diable. Ou du mot extrêmement juteux. Ou pas comme ça. Ou pas comme ça. Et ou tellement pas comme ça, bravo, petit bagage. C'est la première fois l'État joue un crédit dans le secteur privé. 4 ans crédit. Ça ne va pas jamais faire. En général, l'État paye avant. L'État parle pour le groupe dehors, les joignent près de 600 équipements dans mes 3 fournisseurs. Bah, qui ne peut pas jamais faire dans le pays. Pour expliquer ça, m'a dit là, toute délégation, 35 mounes, aller en Taïwan, aller chercher un petit 150 millions de dollars, qui beaucoup de gens baillent vraiment, pendant que le secteur privé haïtien baille l'État au crédit 123 millions de dollars. Vous tentez la parole? Si vous m'avez jeté pour lui, c'est le président Jovenel. Parce que pour que j'aime bon président, quittez j'aime ça d'abord.
Et c'est parce que je pensais que je voulais faire ma gaille, qui fait que je dégageais, je convainc l'autre nègre dans cette ville, les banques du pays, les banques haïtiennes du pays, pour entrer dans le mécanisme que le président Jovenel lui-même fait un an la faire Tamboli comme petit beau montage financier qui j'en fait dans le pays. C'est pour l'État qui était juteux. Non, mais où est tout? Non, mais comme c'est homme d'affaires. Comme c'est homme d'affaires, nous y est. Est-ce que nous ne jouons rien dans ça? C'est l'État qui joue tout? Mais écoutez, c'est normal que ce businessman, son appel d'offres qui fait, appel d'offres que la Commission nationale marché public revoit avant de lancer, appel d'offres que la Commission nationale des marchés publics analyse le plus fait contre l'AIO, et la Commission nationale des marchés publics et pour suivre des comptes approuvé contre l'AIO. Son appel d'offres qui fait, l'État a acheté entre les mains des fournisseurs chaque équipement que le fournisseur te baille au meilleur prix. Donc, il n'y a rien de mal de ça, c'est businessman. Moi-même, je paye taxes, je paye droits de douane. En 2018, je paye 18 millions de dollars américains, taxes et droits de douane. Donc, le businessman marché, l'État fait plus l'argent tout. Et par contre, ça, l'argent, ça a fait. Pendant le peuple a pris un grand goût, avant l'hôpital qui a déjà occupé, problème coronavirus a parlé là. C'est ça pour parler. Crédit 123 millions de dollars sur une période de 4 heures. Est-ce que l'État fidèle dans le remboursement? Est-ce que jusqu'à présent l'État toujours a remboursé l'argent? À date, l'État fidèle dans le remboursement. Il est fidèle dans le remboursement parce qu'en réalité, le crédit n'a pas mis même. Il n'y a pas de capacité pour le crédit. Ça, c'est une banque en Haïti qui finance pour le casser le boulot. Donc, jusqu'à présent, nous connaissons que l'État respecte l'obligation d'un paiement chaque mois. Ok. Autoplaza, tu as gagné Pigou Monsoa, si je bien comprends, selon le contrat en général. Comment gestion matérielle ça vous fait? Est-ce que c'est une gestion publique et privée ou bien c'est l'État seulement qui gère matériel? Expliquez-nous dans le contrat comment ça a été en termes de gestion. Non, les équipements sont gérés. L'équipement est géré par l'État. L'équipement est géré par l'État. Mais dans le contrat, et c'est la première fois que ça a été fait dans le pays, dans l'OAP 20 contrat, on tout marqué là-dedans, entretien pendant 4 ans. C'est-à-dire que souvent, on est content de que l'État achète l'équipement et pour allouer au mourir dans le CND. Je dis à l'État de contrat côté que l'équipement gagne sous l'eau on garantit en termes de mauvaise fabrication et en même temps garantie de service pendant 4 ans. Le fini, nous même dans autre place, je ne vais pas dire si on fait. Sans parler de l'État en bout en plus, nous mettons sous tout équipement nous vendons l'État ou GPS. Qui permettent que nous bailler l'État, ministère des Travaux publics, accès à un système informatique pour monter sous système ou à côté tout équipement lié. Il ne pas dire non, mais qui est lié? Elle dit côté lié. Il dit Jérémy. Elle dit qui côté lié dans Jérémy. Il dit non, qui est lié dans Jérémy. Vous gardez la parole. Son bagage extraordinaire, ça pas que j'en fais. Et moi, j'ai un journaliste qui vient dans mon monde, mais fait une démonstration, je saisis. Ça veut dire, est-ce que je dis à la pendant la parler là, ministère transport, travaux publics, transport, communication, TPTC, il y a possibilité de tout véhicule autoplaza, te vend l'État, yo, dans quatre contrats, il y a une possibilité pour yon côté matériel ça, pendant la parler là. Depuis, on va craser, est-ce que d'accord avec vous? Parce que s'il crase, il va payer son système informatique lié, ou bien, depuis, on parque l'autre côté, pendant plus qu'un mois. Parce que mes problèmes qui viennent, son système informatique lié. OK? Ça veut dire que lié un mois de réserve, s'il passe à côté, et qu'on n'a pas de batterie, ou pas de rappel, et même là encore, la bordel, lié côté de lié. Est-ce que vous comprenez, madame Douane? Elle dit que si l'on opération, l'abdou qui dernière fois le dérapé, l'abdou qu'on met gaz lié sous lit, l'abdou exactement qui travaille lui fait. OK? Par contre, si on mettait le camp en côté et puis Zeb monte sous lit, l'abdou, mes dernières fois, était ouel, mais côté de entretien et service pendant 4 ans.
Est-ce qu'on songe dans le niveau Autoplaza, qui dernier moment que nous avons fait service dans la machine ça que nous devons l'État? Oh, nous fait service actuellement là, pendant ma parole. Nous avons un pick-up, nous avons 7 pick-up. Depuis l'État, il dit qu'il y a telle machine qui besoin de faire service, nous avons fait service. Quel que soit le côté. Mais je connais que tu as gagné l'odeur, tu as gagné et gros maté, gros engin, tout. Est-ce que nous toujours recevons, nous avons toujours un rapport sur nous? Non, je ne peux pas recevoir, au contraire. Est-ce qu'on prend ce qu'à fond excavatrice, sorti, monte organisé? Non, mais tout au moins, est-ce que l'équipe ou déplacée, elle fait service là-dedans régulièrement? Jusqu'à présent, il y a 7 équipes. Il y a 7 équipes, 7 picots. Et nous avons un coordonnateur. Nous avons un coordonnateur qui est en contact avec le coordonnateur de travaux publics qui est au courant de tout ce qu'il a fait et il y a un bon rapport. C'est-à-dire qu'il y a plusieurs niveaux de travaux publics là. Et le coordonnateur général du programme, pas le coordonnateur, nous, mon directeur départemental, dispatcher mon numéro, tous les 10 directeurs départementaux, de façon que si on a un problème, nous faisons service pour eux. Vous gardez la parole. Mais est-ce qu'on connaît aujourd'hui des particuliers qui prennent l'équipement ça en otage? Ah non, je ne vais pas entrer dans ça. Je ne vais pas entrer dans ça. Bonjour. Je ne vais pas dire que je connais dans mes kimoulois parce que côté lial, pas dire côté lial. Mais je connais que. Je me parlais de ça à l'époque à président Jovenel. Le président Jovenel, qui t'a fait politique, et bail, en pile, députés, sénateurs, prêter au matériel pour faire travail dans la zone. À la limite, ce n'est pas un mauvais bagage si travaux publics continuent de contrôler la machine. Elle dit que, on est là, dit travaux publics, sénateurs, députés, papillons, pour le faire, on travaille dans la gradance, faire aider le faire route là. Pour faire, les députés à défendre la zone, c'est droit et c'est devoir le même. Maintenant, si l'on prend ou la gueule dans mon monde, parce que bon, l'autre bagage m'a dit, nous avons fait séance formation pour tout opérateur. Ou bien l'on prend ou la gueule dans mon monde qui parle opérateur travaux publics, et puis mettez n'importe qui opérateur, et pour nous dans toutes les réparations que nous faisons pour eux, c'est mauvaise utilisation, disons mauvaise manipulation, surtout dans l'excavatrice. Parce que l'excavatrice, son équipement extrêmement dangereux. Facilement qu'à capoter, facilement qu'à jeter dans la rivière, facilement qu'à jeter dans le marais. Si on approche trop de berges là, et pour ne pas quitter trois lois au côté de l'ETFM, pour entrer dans le droit. Donc, il faut s'aider à mon qualifié, et nous faire cette transformation pour plus de 100 opérateurs dans le ministère de la République. Nous avons un monde à plein temps dans l'Autoplaza qui c'est un formateur. D'opérateurs, à plein temps, jusqu'à présent. Depuis que les deux états mais pour mon monde, nous voulons la former. Moi, je pense que où tu as gagné tout pour être capable pour te remettre l'État, trois usines asphalte. Et je pense dernièrement, des gens dans le pouvoir te plein en pile, qui te dit que où tu as gagné usine ça, ou votre cochon livré, dans quel niveau, question ça, je dis, est-ce que usine est déjà dans l'État ici, je dis? Oui. Je ne pas doué l'État en rien. Je ne pas doué l'État en rien. Et ça m'a dit là, je vais vous voler. Je vais un document pour vous. Sur Kalil, sur WhatsApp. Je vais vous faire un document. Le document relé, certificat d'accomplissement. Comment ça veut dire? Ça veut dire l'ordre de l'État. Bon, moi, je ne peux pas livrer, même pour le coup. L'ordre de l'État, on livre sous nous, ça qui est plus vendeur. L'ordre de l'État, une série de matériel. L'ordre de l'État pour se voir, il fait ça, une réception provisoire. Le premier officier qui est que véhicule-là, son véhicule neuf lié, que répond à toute spécification Kobalia, Kobali certificat garantie, il y a un document qui est certificat d'accomplissement. C'est l'immobilier là pour nous qui dit que le ministère des Travaux publics, ce certificat d'accomplissement pour servir à valoir ce que de droit, est la preuve que le dit concessionnaire a rempli à la satisfaction du MTPTC les termes de son contrat, tant au point de vue de la quantité des équipements livrés
entre parenthèses, équipement neuf, et le respect des spécifications techniques du matériel livré. Vous gardez la parole. Ok. Mm-hmm. Vous voyez copie à vous là. Oui, nous recevons. Vous allez regarder. Ok. Vous allez regarder. Donc, moi-même, je connais mon livret, ça pour me livrer. Ça veut dire que je dis à vous, vous ne pouvez pas doué l'état. L'usine asphalte, vous allez parler au livret. Première usine en livré depuis avril 2019. Deuxième en livré en juillet 2019. Troisième en livré en août 2019. Est-ce que Reginald Boulos ou bien Autoplaza a une responsabilité pour te faire montage usine auto? Non. Il n'a pas démarré. Là, il fait monter. Parce que l'usine asphalte, bon travail de génie civil qui vous fait. Faut faire rempio. Faut mener un couteau après aller. Parce que c'est des usines où on a lié. Regardez, faut comprendre pour mieux comprendre. C'est pas des usines de quoi aller stalon côté, non. C'est des usines mobiles souple-le. Souple-le. C'est d'où aller là, on fait trois mois à côté, ou aller où elle fait trois mois de l'autre côté. Ah, ok, ok. Ok. Mais pour toi, elle fait trois mois, il faut gagner un pour faire, pour camion, pour porter un blé, pour asphalte là, laguer dans l'usine là. Ça veut dire ça qu'arrive que ou gen projet dans le sud ou aller avec une usine asphalte pour cette période là et vous qui doit décider ou elle faut liberté n'importe l'autre côté là vous voulez dans le pays là M4 jours Henri chaque mois nous écrit à la République on dit que technicien brésilien et technicien et européen ben c'est une des usines européennes parler pour entrer venir démarrer usine ou leur parler. Ça veut dire que l'usine ça pourquoi je me démarrer? Non, bon, écoutez, bon, à la peut-être, je ne vais pas excuser au gouvernement, même quand je dis à leur excuse, bon, l'usine pourquoi je me démarrer? Pas que l'usine pourquoi je me démarrer, à ma connaissance, l'usine pas non même, le nom est où? Est-ce que vous faites démarrer? Bah, quand même, à ma connaissance, pourquoi je me demande non, faites technicien à tout le démarrer? En tout cas. Et vous? Presque chaque mois, nous répondons. Si nous avons un tableau sur le dossier, ça, nous avons préparé toutes les lettres pour nous aller. Nous n'avons pas doué rien. C'est vrai que nous devons toujours. L'argent, reste l'argent, un an. Mais un an, 8 mois encore pour finir. Payer. Relation avec Jovenel Moïse, je dis, est presque inexistante. Ça veut dire pas aucun rapport qu'on développe avec Jovenel Moïse. Kounia, regardez. Relation avec le secteur de l'opposition. Comment ça y est? C'est quoi le secteur de l'opposition? Bon Dieu. Ou bien parti politique qui est en opposition? Ou bien société civile qui est capable d'en opposition mais qui n'a pas le pouvoir? Ou bien tout secteur dans le pays qui a souffert? Relation originale Boulos l'a développé avec tout secteur salon. Parce que aujourd'hui, Henri, si on a un parti politique pensé, les cas gérer pays ça tout compris. Il fait erreur. Et c'est ça qui fait que l'homme commence à parler sous coronavirus en lui. Vous t'ai dit, et m'a dit sous qui la Dieu me dit, sous Caraïbes et sous Magique 9 le 21 mars, ou une bonne date là. Vous m'avez dit, moi comme un des présidents journal, pas pour sous d'or pour gérer le coronavirus là tout compris. Même par exemple en Allemagne, c'est un institut que le gouvernement allemand associé à elle pour le fait gestion coronavirus. Il y a un pays européen qui bien gère le coronavirus. Il y a un pays européen, l'Allemagne. On dit montons un comité multisectoriel qui vient là-dedans, représentant 10 départements. Qui vient là-dedans et secteur paysan, secteur professeur, secteur syndicat, secteur religieux, l'église catholique, l'église protestante, vaudouisant, qui vient là-dedans le patronat, qui vient là-dedans le comité femme, qui vient là-dedans la presse, nous font comité, ou qu'on a qui ça me déchanger, premier CEP que tu es fait en 87 là. Pour qu'ils prennent 9 secteurs dans le pays et pour faire CEPA. Il dit c'est ça qu'ils ont fait là. Ils ont créé finalement, un mois et demi après, ils ont créé une commission multisectorielle, ni moi ni vous, en dehors de deux présidents et coordonnateurs, nous ne pouvons pas communiquer là-dedans.
Et puis, on sentit comme si son avait gouvernement en fait, que c'est lui qui a géré la commission multisectorielle. Là. Il y a deux commissions d'ailleurs, comité scientifique et commission multisectorielle. Nous m'attendons pas les deux ans, quoi. Est-ce qu'il existe toujours? Est-ce qu'il va exister? Je ne sais pas. Est-ce que selon vous-même, le gouvernement fait une très mauvaise gestion de coronavirus? Pardon? Est-ce qu'on estime que le gouvernement a fait une très mauvaise gestion de coronavirus? Oh, mon cher. C'est très peu dire. On a les 1, 2, 3. Non, bonjour. Bonjour, ça m'a dit et ça m'a fait signe de président de la République. Depuis le 23 mars, non? Depuis le 1er février. Depuis le premier cas arrivé en Californie, mais ça m'a fait. Premièrement, nous avons créé une commission multisectorielle. Ça. Vous gardez la parole? Ça, c'est le premier bagage que nous fait. Maintenant, 6 bagages que nous fait. Deuxième bagage que nous fait. OK? Nous avons dit tout va se faire dans la transparence. Dans la transparence totale, même si nous déclarons l'état d'urgence, ou un président Medina déclare l'état d'urgence, nous formons une commission pour voir tout comment nous avons fait. Malgré tout, les bases disciplines, ça. Troisièmement, nous avons 40 hôpitaux qui sont dans le pays. Nous investissons l'argent là-dedans, dans le centre de santé, dans le dispensaire. Parce que le coronavirus, en même temps, son malheur, son opportunité pour tout remembrer le système de santé. 75 millions de dollars ont besoin pour faire ça. Nous avons commandé 70 000 tests. Nous permettons que au moins 20 à 30 hôpitaux dans le pays soient capables de faire test. Ce n'est pas normal aujourd'hui que ces deux côtés qui ont fait test dans Port-au-Prince. Quatrièmement, nous avons commandé des masques depuis le 1er février. Nous avons commandé 30 millions de masques. 30 millions de masques pour que chaque adulte haïtien 4 masques qui sont capables de laver. Pour être capable de laver, pour toujours des masques. Et nous avons commencé à porter masque depuis en vente qu'on est qu'on a eu ça va y nous. Parce que nous avons dit porter masque là, c'est avec difficile, l'on va habituer à elle. Mais où est-ce qu'on habitue à elle? C'est quand on a une lunette et pour avoir une lunette là, on sent tout le monde comme bagaille. Mais maintenant, dans le pays asiatique, quand il y a un grand monde qui a marché dans l'arrière sans masque, mais parce qu'on porte masque à 10-15 ans. C'est depuis ça, c'est venu et puis on commence à porter masque. Nous avons ensuite créé, nous avons fermé l'école là. Nous avons transformé une série de l'école en centre de quarantaine. Et nous avons tellement fait éducation. Et comme nous avons une commission multisectorielle, prête à parler, évêque à parler, pasteur à parler, ougan à parler, femme à parler, leader syndicat à parler, le peuple n'a pas dit que pas qu'on a un coronavirus parce que son bagage journal fait pour nous faire comme. Le peuple n'a pas dit que nous n'avons pas dans l'église, nous parlons de lui. Mais l'autre bagage, on met sous dos. Et beaucoup finiment, ça m'a fait. Donc, nous avons transformé en centre quarantaine de façon que nous n'avons pas dans un monde qui semblait malade, dans la cité soleil, côté que la vie a 10 mois dans la carrière, ou c'est la carrière où il était en quarantaine. Ça n'a pas fait sens. C'est vous et moi, la transmission à le faire. Et puis, nous avons fait nutrition. Et nous avons même fait 3000 gouttes de l'ambre à l'insouli, mais nous avons fait nutrition. Écoutez, nous gagnons 1 200 000 timons qui étaient pour recevoir manger dans la cantine scolaire. Ça nous fait. Nous voyons la caillou et puis nous allons manger. Mais quand manger, nous dédions une ration mensuelle sèche. Et soit tu as fait pour ne pas créer un embouteillage dans l'école, ou tu as fait soit par ordre alphabétique, une grande manger à chaque mois, soit par classe. Ou classe de 30-40 timons, ou fait moitié classe à l'une matin, moitié classe à l'une après-midi. Mais si on fait un programme, que le peuple a connu soit fait. Le peuple a connu soit fait. Maintenant, on a un, deux, trois qui ça fait mal. Premier bagage fait mal. Non, avant nous venir, ça fait mal là. Ou on se dit, mais ça a fait. Pas oublier au fait que ça dit là, ou prendre un bloc Jovenel là. C'est dans le discours que vous prenez. Ou est-ce comme si vous avez aisance, vous facilité pour vous expliquer ce que ça a fait. Ça veut dire que, pendant qu'on dit là, ou pas même parler de moyens ou de moyens pour nous faire plaisir. Oh, on a un bon moyen. On a 75 millions de dollars. Vous d'accord avec moi, juste et dans 75 millions de dollars, il y a 50 000 tests, il y a 30 millions de masques. FMI, bah, l'État haïtien, 111 millions de dollars. Banque mondiale, bah, c'est l'État haïtien, 20 millions de dollars. Ça fait 131. BID, bah, l'État haïtien, 50 millions de dollars. Ça fait 181. L'État dit lui-même, il prend 50 millions de dollars dans le budget. Ça fait 231 millions de dollars. Tout est comme ça. Donc, ouais, comme ça, peuple à Portugal. Non, mais comme FMI, ce n'est pas forcément pour gestion coronavirus.
Mais écoutez, si ma, mais écoutez, on fait une démonstration, ma réponse. Non, même tout rappelons à tout. Non, non, son propre barreau pour budget. Ah, ok, mais qui part forcément, c'est gestion Corona. On va continuer. C'est moi qui ai décidé de cette Corona lié. Parce que le président de la République. Et que nous dit gouvernement, ouais, comme ça, la priorisé pour bien peuple. FMI ou Baoul, comme ça. FMI Baoul, FMI Baoul pour budget. FMI Baoul pour budget. Et ouais, comme la vie plus rapide, tout est coronavirus. Ok, 50 millions de dollars, Bidlal, bien dit, c'est pour coronavirus. C'est l'État qui dit, c'est pas moi qui dit, non. C'est l'État qui dit. Et puis, on va aller plus loin encore. Nous devons toujours ça, nous devons ça, Henri. Il est trop probataire. Il est trop probataire dans l'équipe à payer impôts. Dans le premier ministre, docteur, qui a payé 5 ans, il y a le premier ministre. Ça paye pour ça dans le pays. Mais ce n'est pas là, on va aller parce que beaucoup là. Nous avons fait peu. D'ailleurs, c'est très simple. Le président a déclaré 18 000, déjà dépassé 40 millions de dollars. C'est ça le déclaré. Ce n'est pas mon deal, c'est le deal. Donc, s'il a déjà dépassé 40 millions de dollars, c'est que vous avez refusé. Moi-même, je dis, mais ça ne m'a pas fait, et mais comme il t'a coûté. Et je ne vais pas pour finir là. On a les 1, 2, 3, mauvaise gestion. Le dépistage, quand il devait être fait, il n'a pas fait. Et il fait 2 mois, je vous mets pour ça. Depuis, et ça, ce n'est pas juste que je dis, quand je m'a dit avant. Depuis 21 mars, lundi, on fait dépistage massif. Parce que si on fait dépistage massif, dès le départ, au camp de transmission, au pas qu'à faire confinement, au pas qu'à faire confinement dans un pays que nous vivons au jour le jour, machin, il faut aller dans le marché, masque, il faut être déjà distribué. Donc, un, comment on fait qui là 18, ou comment on fait jour où on a vu disparaître là. On commence à appuyer juste aujourd'hui. L'absence de transparence est numéro 2. Pour juste aujourd'hui, Henri Gaillé, par exemple, on est en Haïti, qui compte quantité matérielle qui est commandée, à qui communautaire est commandée. Par exemple, on est en Haïti qu'on est. Je cherche qu'on aime pas à jouer. Finalement, il y a un équipement. Un journaliste qui va mouler, c'est moi, mais pas compte. Ok? Maintenant, on va aller plus à pour. Président a dit le 27 avril, c'est 2 milliards de gouttes qui est dépassé. Le 18 mai, à propre bouche, il dit 4 milliards de gouttes. Ça veut dire qu'il y a 2 milliards additionnels qui dépensaient entre 27 avril et 18 mai. Vous comprenez combien comme ça fait 1 million de dollars américains par jour. 1 million de dollars américains par jour. Troisièmement, l'absence de communication. Jusqu'à ce que le peuple a eu dit à part le coronavirus, il peut faire de la fièvre. Parce que communication parfaite. Enfin, ils ont pas de gestion de coronavirus là. Pas de gestion. Est-ce qu'on compte pour le ministère de la Santé pour coronavirus? La première fois, le ministre a parlé, lui dit qu'il y a 25, mais bon, on est capable de faire. C'est chat dans ma coute. Tout bagage, c'est chat dans ma coute. Est-ce qu'on pense qu'on pays qui a géré comme ça? Pendant que le président Medina, bon, tout ça, va le faire. Et moi, bon, ils ont. Et ça m'a dit, là. Là, on me dit dépistage là, on compte pour qui ça me dit. Et, oui. On va avoir 3 pays. La Corée du Sud, qui a 5 fois la population haïtienne. 5 fois. Il a fait 650 000 tests en 2 mois. 650 000 tests en 2 mois. On a amené à nous-mêmes, ça veut dire qu'on a fait 110 000 tests en 2 mois. Combien on fait, oui? On fait 2000, c'est ça? Nous pouvons arriver à 2000. Nous pouvons arriver à 2000. Regardez 4 côté aux jeunes Kayo. 5 communes, il y a une majorité Kayo. Port-au-Prince, Delma, Pétionville, Tabar, Croix-des-Bouquets. Encore une fois, ça veut dire le pays en dehors est oublié. Elle dit aujourd'hui, on manque à vivre dans la section communale Bombardier Police, pas une dîme qui a fait test. C'est passé dans le peuple dans la bêtise. Et on t'a dit, on parle, on t'a dit fort, le 21 mars, on t'a dit, je dis à, on n'est pas un adversaire politique. D'abord, en politique, pas des amis, pas des ennemis. Il y a alliés qui sont adversaires. Les alliés d'hier peuvent devenir des adversaires aujourd'hui, les alliés d'aujourd'hui peuvent devenir des adversaires. C'est la politique. On t'a dit, je dis à, on n'est pas un adversaire politique. On n'est pas fait politique à coronavirus. On nous tous mettait ensemble.
que le journaliste a demandé, est-ce que le président Jovenel Mondou travaille avec elle? Je dis oui. Mais on dit, si on dit à nous, dit nous ne pas faire politique à coronavirus, il faut passer ça va coronavirus pour qu'on nous coupe un imbécile. Et puis, blablabla. Non. En tout cas, Reginald Boulos, nous t'en dis exactement tout ça ou dit que vous avez fait. Mais vous connaissez même la même. Moi, je crois que vous avez joué boule. Et que le nègre souterrain, l'autre sous l'investir là, ou même pas l'investir là, l'autre dans la tribune là. Ou bien, ou dans le gradin, hein, ou dit, qui est monsieur, pour qui ça, monsieur, fait vieux fly ça? Si c'est même ta. Là, ma couteau là, avec un pile attention, avec facilité, ou a déposé. Ok? Ou a déposé, et comme si c'est Jovenel Moïse qui t'a déposé dans la campagne électorale, là, on facilité. Non, non, campagne. Non, son exemple, bon, ça veut dire, ou t'es sous tes présidents, ou t'as 1, 2, 3, 4. Non, ou mais oui. Et me dit, mais écoutez, ma bonne copine, monsieur le président dit de dépenser moitié comme ça déjà. Ok? Donc, pas de problème l'argent, nous avons rien à mis derrière même. À pas Biden, toute journée a dit que ça ne trompe pas faire, pas bon. Et puis, trompé a payé un gros prix du fait que nous avons pas fait trop bonheur. Ça a payé un gros prix politique pour lui. Pour ça. Écoutez, le président, c'est où il y a responsabilité? C'est où il y a pouvoir politique là? Où il y a reine force publique là? Où il y a reine finance de la République? Faut parler depuis joie prêter ses mains. Depuis joie prêter ses mains. Ou pas qu'à venir faire apprenti sorcier. Ou pas qu'à dire 3 ans après nous connaître le diable. Donc qui doit commencer par le peuple au bagaille? Il y a 3 ans, 3 mois, ou apprendre pour nous connaître. Si pas qu'on est, pas de monter là-dedans. Il devait être dehors. C'est donc pour ce bon exemple football là. Si on est qu'on n'a pas qu'à jouer boule, pas monter sur le terrain. On va garder monter sous terre, c'est fly seulement à faire. Et le constat ou à faire fly, qui ça pour faire? Non, c'est pas coronavirus. Non, mais le constat ou à faire fly, qui ça pour faire? Râler mon métabo. Ok, très bien. Est-ce que à souhait là, nous allons entrer dans l'autre peuple pour nous garder à pour Fondation Reginald Boulos avec la question coronavirus, comment nous pouvons porter support pour la population. Mais est-ce que je dis, si je bien comprends, dans intervention à cela et ça on va souligner le fort c'est peut-être libre elle fait petit journal là il est peut-être lui-même en plus on va l'enregistrer pour faire la guerre sur tout réseau. Est-ce que Jodian Reginald Boulos regrette infiniment l'été coré ou bien supporté ou bien ban nous Jovenel Moïse comme président de la République? Vous gardez la parole. Écoutez, si nous dit ça, ça veut dire que nous dégain Jean pour retourner en arrière. Est-ce que je dis à me reconnaître que je n'ai pas à la mesure de la situation? Oui. Mais je ne sais pas qu'on est l'homme de femme. Donc, je ne sais pas qu'on est l'homme de bagaille. Que je ne sais pas qu'on est. Donc, je ne sais pas qu'on est. Parce qu'on sort du bagaille là. Le président Jovenel dit dans le discours 18 000 là. Il y a 3 mois. 3 ans, 3 mois, 20 jours. Et que la prenne. Et que l'elle fouille maintenant. Dans un trou pour chercher pour peuple là. Pour le tirer ça pour peuple là, justement. Pour peuple là, c'est dans un trou couleuvre les pompes. Oui, et couleuvre cette tête là. Dans un mètre, trois bagailles sous bagaille ça. Ah oui. Premièrement, en 3 ans, 10 mois et 8 jours, du Marseille estimé était fait bicentenaire international. Seul progrès de Snaguen qui, je dirais, presque quitté le tombé. Barrage Pénic, comme ancien ministre travail estimé. ODVA. Les payer dette nationale haïtienne avec l'argent haïtien, les reconstruire la ville de Belader, les augmenter la production nationale café à cacao, avec ça, le fait dans l'ODVA, nous avons exporté du riz, l'ex-euro. Les pays, le deuxième pays qui a recevoir tout dans le Caraïbe. Le président Dumas s'est estimé réaliser en 4 ans, en moins de 4 ans, en moins de 4 ans, ce que aucun président n'a pas réalisé, et surtout pas. Avec une baleine de 3 mois, c'est pour nous apprendre. Deuxième bagarre, je dis. Nous devons comprendre comment c'est pour le rejoindre. On va dire qu'il couleur, si c'est pour le sépan. Et si c'est pour le sépan, nous devons comprendre qu'on joigne comme Petro-Caribéa, on joigne et Betex, on joigne Arbitrans, on joigne et FDI, Sofidaï, on joigne 30 millions de pays qui gagnent côté A. Oui, tout ça, c'est sépan pour payer à eux. Vous avez raison, dit ça. On dit aussi bagaille. Moi, je dis, ah, vous dites qui ça pour le président fait de l'ODA. Ouais, discours 18 mai. Discours 18 mai.
Bon, puis vous allez jouer dans niche là, c'est Demalogue. Bon. 10 jusqu'au 18 mai. Non, il va dire ça. Qui ça? Régional. Il va dire ça, oui. Oui, puis vous allez jouer, c'est Demalogue. Depuis vous allez jouer dans niche là, niche couleur, c'est pas, c'est Demalogue. Ok. Maintenant, comme je dis, je m'attendais le 18 mai à un discours d'un homme d'État, de chef d'État. Réginald Boulos, ta président le 18 mai, il t'a dit, peuple haïtien, pays a des problèmes, pays a chargé à problème. L'île pour nous mettre tout ensemble, pour nous faire l'union du 18 mai, la fête du drapeau, le bleu et le rouge, rassembler tout le monde à l'islam, on nous gommer ensemble. Et c'est un discours de haine qui a été fait le 18 mai. C'est un discours d'aigreur qui a été fait le 18 mai. C'est un aveu de faillite qui a été fait le 18 mai. C'est malheureux. Si sous base ça, on m'a dit, est-ce que Mouguet, ah oui, le membre des discours, ça me dit, waouh, oui, Mouguet. Oui, Mouguet. Je pense que parmi 590 000 Haïtiens qui Mouguet, que votre classe est là. Maintenant, pour moi, le président Jovenel est déjà le passé. Parce que de toute manière, mon dialogue est pour finir bientôt. Donc, on parle de l'avenir d'Haïti plutôt. On parle de ce qu'on a fait pour le pays d'Haïti. Moi-même, je finis de dire que le coronavirus a son opportunité pour nous remembrer le système de santé avant une deuxième opportunité et en vie. Agriculture. Parce que le bras de ça a passé en vie. Non, nous allons arriver sur ça. Non, Lila, qui était moi arrivé sous lui, son point qui est extrêmement important. Mais avant d'aller, vous parlez de Dimanche estimé. Pas oublier, période ou pas même. Et contexte politique là, pas même. Mais Dimanche estimé était un président rassembleur. Aujourd'hui, il nous faut un mouvement rassembleur dans le pays. Non, mais pas oublier, il n'y a pas tout en opposition tout le temps qui décide d'écraser le pays, bloquer la rue, à gauche, à droite, pour n'importe quel bagaille. Henri Guerrier, 18 novembre, dit président, à 9h du soir. Nous allons rassembler toute opposition dans le projet de transition. Et comme je l'homme te dit ça, je ne suis pas là, moi qui t'ai déjà parlé pour montrer notre transition. Les qui étaient trois mousquetaires, les quatre mousquetaires de l'apocalypse, montaient tête contre moi. C'est ça qui vient. Dit. Ok, il faut clair. Moi-même, je dis président, 18 novembre 2018, on fait grand rassemblement dans le pays. On mène en bas de là, toute notre politique. Pas oublier que là, ça, mais pourquoi on demande pour Michel Aleno? Songez bien, oui. Pourquoi on demande pour Michel Aleno? Nous disons qu'on fait un bon rassemblement. On fait transition. On fait dialogue national. Là. On fait nouvelle constitution. On fait Petro-Caribé. On fait des élections anticipées d'un an. By un an de mandat sous un même pays. Vraiment, dernière question, Réginald Boulos, pour nous faire mes questions, Jovenel Angale, dans rapport Fondation pour la question COVID-19. Là. Est-ce que, moi, songer dans la dernière période, là, surtout dans le dernier mouvement là, qui était fait là, où tu es toujours devant scène, où tu es en première ligne, dans le cadre de combat pour vous et Jovenel Moïse Allais, selon vous-même, qui est erreur que. Nous-mêmes, dans le groupe de nègres qui était en face, Jovenel Moïse, Fon Voye Lalia, qui est où nous fait qui fait que Jovenel n'est pas arrivé qui était pouvoir, jeune des hôtels là? Mon cher Mabdou, je veux dire que je ne pas dire qui est, mais qui ça. Même parce que pendant que tu as un ça qui fait là, tu as un monde dans l'opposition qui voulait négocier des parts Jovenel, même si nous n'étions pas longtemps. Même si nous n'étions pas le 7 juillet 2021. Mais il y a des gens qui ne sont pas d'accord. Et ouais, nous, c'est que lorsque nous avons mené la bataille là, et que Jovenel était paré pour le faire, d'après moi. Ok, maintenant, mon deuxième bagaille, nous n'avons pas fait erreur tout. L'on a une puissance qui dit que le président va prendre l'autre côté. Alors, nous avons fait le bagage comme ça. Donc. C'est changer ta stratégie, c'est ça que fait. Le 8 décembre 2019, on était dit. Pays l'Europe n'est pas la seule solution pour résoudre le problème du pays. Aujourd'hui, nous-mêmes, dans MTV, nous avons une politique de rassemblement, de réflexion, de bâtir un programme, une vision, de façon à ce que, dans nos présidents, nous parlons des madame, nous pêchons nous pour nous garder, est-ce que c'est vous, nos présidents, parce que nous n'avons pas parlé pour le job là. Nous devons aller faire un rassemblement. De toutes les forces progressives de ce pays. Pour que
nous mener pays ça dans l'autre niveau, Henri. Dans le niveau d'éducation universelle, dans le niveau de santé universelle, une alliance, une grande alliance pour la prospérité, mais pour la solidarité aussi. C'est là où on va aller, je veux dire. Donc, pour moi, toutes ces questions se posent là, c'est question du passé. On garde l'avenir. Pendant qu'on garde l'avenir, on garde qui a pour Fondation Reginald Boulos se porter dans le cadre de question COVID-19. Là, moi, je remarque qu'un pilote monde a fait des interventions en un pays, vraiment un pilote secteur. Et bon, au départ, comment ou accompagner pays, en société, dans le cadre de question et coronavirus? Radio Mega. Pourquoi le pays a déjà connu parce que nous avons passé un jour que Reginald Boulos pas parler de coronavirus. Mal de ça nous fait. D'abord, nous n'avons pas tant de premiers cas arrivés. Ils ont témoin, toute radio est témoin, ils ont témoigné contrat. Depuis 28 février, nous commençons à faire des spots audio et vidéo avec voix PAM. Pour nous commencer à faire campagne d'éducation. Que jusqu'à présent, nous pensons que l'État va jamais faire. Nous avons déjà fait 6 spots. Et comme ça nous fait envie. Tout côté de gain contrat commercial. Tout côté de gain contrat commercial pour nous réclame. Et pour réclame et Nissan, Autoplaza, Delimat et autres, nous disons retirer toutes les réclames. Nous avons un contrat pour $50,000 américains par mois dans différents médias. Nous disons retirer tout spot ça, mettez sous coronavirus. Et nous allons plus loin. Il y a un radio qui dit non, non, pas de problème, nous continuons à passer ce spot, mais nous avons un spot ça en plus. Nous disons non, non. Nous retirons tout spot commercial. Dans nos spots sous coronavirus d'abord. Deuxième bagage nous fait. Nous achetons 40 000 sanitaires. Et puis nous faisons distribution à travers le pays. Henri Bandjou, 40 000 sanitaires, 6 millions d'adultes. C'est une goutte dans l'océan. Mais imaginez 200 hommes d'affaires et fait même genre. C'est 800 000 sanitaires à pied. Ok, MDFL, MD dit ça, mais souhaitez que nous tous, et pas seulement homme d'affaires, professionnel, avocat, ingénieur, docteur. Si nous avons 40 000, nous avons 10 000, nous avons 7 000, parce que sanitaires ont un problème à, que régler. On sait une côté, on dit nous n'en avons même pas d'eau. On distribue 40 000 sanitaires. Il y a 4 semaines, nous commençons un projet pilote au Cap. Nous construisons 5 petits châteaux d'eau. Pour nous recommander à gérer. Nous avons un projet qui est d'eau tout le temps, d'eau tout partout. Ok, le nouveau projet marché bien s'ouvre la semaine ça et là comme témoin 12 châteaux d'eau de 1200 gallons chacun, c'est-à-dire chaque château d'eau gagne deux tanks de 600 gallons dans une dans Cité Soleil 1, une dans Brooklyn, une dans La Saline, une dans Chambon, une sous Pisse côté Cambébéaillé, une dans Pont Rouge, une dans Corail, une dans Belay, une dans Cafoufeuille. Et comme ça que je veux dire, nous recevons des demandes chaque jour. Nous avons déjà approuvé 3 pour 1, 2 premiers balais. Et nous remplions. Nous remplions. C'est pas ça, mes châteaux de nous, non? Nous remplions de châteaux de l'eau chaque jour. Souvent, après-midi, nous allons aller pas l'eau. C'est parce que la période là, nous dépassons. Le lendemain, nous avons les coordonnateurs qui sont femmes. Parce que nous avons quoi? La gestion femme. Et nous remplions chaque jour. Intéressant comme projet. Très intéressant comme projet. Et si nous avons pour une photo, un château d'eau, bah, même une photo pour qu'à ouais, ça n'a pas l'air. Ok? Souvent, pendant ma parole, voilà là, ma première photo, vous voyez pour vous. Ok? Mais, bon, sous Henri Guerrier, vous cherchez rapidement là, Henri. Guéon qui n'a pas bougé, frère, c'est beau qui de l'eau, mon nom est là-dedans. Écoutez, et moi-même, Guéon, ben moi, ok, j'en sorti de ce voile là. Je vais voir le coup. Est-ce? Je vais voir le coup. Quand il a la parole, il y a 12 comme ça. Ouais, il y a un tuyau là-dedans, un robinet là-dedans qui distancé à 1,5 m. Chaque, il y a un monde dans la zone qui prend sous lit gratuitement pour le volontaire pour gérer. Il y a un coordonnateur qui s'en a fait avec,
Léo pour dire, il a fini, vous pour moi tant pis. Et moi, je m'a suivi parce que nous faisons un groupe WhatsApp. Moi, dans le groupe WhatsApp là, tout, je m'a suivi. Ou qu'on rêve, moi, on y va faire sans comme ça. Je dis à ma bjoune, ça privé, pas je dis à ça, avant hier. Nous avions un cadre d'une banque qui dit, combien ça va coûter? Il me dit, 7 500 à 8 000 $ américains chaque. Parce qu'il y a 7 500 $ pour tout faire. Il coûte à peu près 3 000 $ pour remplir le dos pendant 6 mois. Jusqu'à 8 mois, 9 mois. Dépendant de rythme qui prend. Vous connaissez les gars, chaque mois, le lendemain, je dis, pas maintenant, fais une pour moi. Matin, nous avons un GLM des États-Unis, qui est une organisation diaspora, qui dit, nous avons fait deux, mais nous avons qui côté nous voulons. Dans une zone que nous connaissons, nous devons prendre dans Matissan. Et nous pouvons le faire là. Si vous faites un village de Dieu, nous faire. Si vous faites une savane pistache, nous faire. Si vous faites une naouka, cafoufeuille, nous faire. Parce que, quel que soit côté nous vivons, que ce nom période de nos droits soit insigné. Il faut que j'aime le général Boulos, je dis à nous remettre 500 000 gourdes matériel que nous achetons, gants, et matériel oxygène dans l'hôpital Jérémy. Je dis à là, nous avons une équipe qui est allée faire remise là. Nous avons 25 de santé qui a demandé nous. Et nous avons le dernier ça n'a fait là. Nous faisons rassemblement de dossiers au projet pilote encore pour que si le marché, nous avons tout ça dans le projet pilote, depuis le marché nous mettons là-bas. Nous avons réuni couturier avec couturier. Nous avons fait une petite coopérative pour le premier fonds de commerce pour être capable de faire masse. Nous avons acheté masse dans le monde. Nous avons le premier agatis, nous avons tout, tout tes fils. Tout tissu, tout bagage, et puis elle vend, nous avons vraiment de développer un artisan, comment c'est fait comme. Et puis nous continuons à parler avec le peuple, je vais parler avec la soeur, parce que nous pouvons parler depuis gros bagage important. Qui ça n'a fait aujourd'hui devant maladie, ça n'a pas envahi le pays? Nous allons regarder ça, nous allons entrer dans l'agriculture tout à l'heure, puisque aujourd'hui, chaque pays a baissé et géré. Propre tête, je vous dis à la République Dominicaine qu'on voulait manger pour nous là, vendre nous manger, mais je vous dis, chaque on a fait un jour pour stock qui met la caillou. Et merci à Pelletier Botay Lakay qui mettait et Château d'Oua, tout le monde là, sous ça. Régional Boulos, bon mando ça. Mais vous souhaitez expliquer qui a pour voter dans quatre questions coronavirus dans tout département, dans plusieurs zones, etc. Est-ce que c'est parce que Régina aujourd'hui a une aspiration, mais un rêve pour devenir candidat à la présidence, ce qui fait que aujourd'hui, la BCE descend, côtoie mon nous, fait mon yeux doux. Henri, pas fait ça. On a fini Régina Boulos. Non, pas fait ça. Est-ce qu'on a fini? Ma petite fille. Oui. Est-ce comme si c'est aspiration ça qui fait aujourd'hui, ou fouille toute main, ou fouille tout pied, ou fouille tout corps? Pour capable montrer mon yo qui est là avec nous dans finalité que c'est quand même dans perspective électorale que vous dites tout mon cher bon investi ça yo. OK, Henri, pas fait ça. Bon de vous ça, nous pas fait ça. Henri, à 25 ans. Même de 25 ans. Bon si pour ça coûte parce que nous avons plusieurs autres sujets. Non, mais non, pas qu'à bord. Vous posez une question, il faut me permettre de répondre honnêtement. Parce que ce sont des grosses questions à poser. OK? Nous ne pouvons pas aller plus rapide, mais moi, je été posé à soi avant pour nous poser. Non, mais il y a un problème. Même bon, yeux doux, ça va fait là. Je vous dis, bon, non, rapide. Alors, je vais vous dire, papa, je vais vous faire une belle clinique chirurgie de Montéchonville. Une belle clinique ophtalmologie. Une belle clinique cardiologie. Vous avez décidé de travailler ici, c'est soleil. Défend l'hôpital Sainte-Catherine et net, nous, Cité Soleil, capitaine de Mzassoir, bonsoir, frère Maxime dans Cité Soleil. Yo connais de qu'on fait 800 accouchements par mois pour 75 gouttes. Yo connais de qu'on fait 750 opérations chirurgicales. Si monsieur Bitao, ou deux docteurs Bitao, qui fait pour et clinique Mosa, c'est eux qui fait service d'urgence chirurgie. Nous, t'es l'hôpital qui t'es guéri 24 heures sur 24, chirurgie anesthésiologie. Ok, nous avons fait l'école, nous avons l'école qui vient 40 ans en Ligue dans Cité Soleil. Jusqu'à présent, ouvrez une photo de l'école là-tout, comme nous disons, il y a un contrôle. Bon, montre une photo de l'école là-tout,
pour que tribunal là soit capable de mettre le tout. OK? Pour me chercher le pouvoir si nous l'amener. Espérons que vous l'amener. Non, 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 venez quand même, mais on a l'air. Même jeune. Vous cantez la parole. Bombao. Et Henri Guerrier. Radio. OK? Yes. OK, même vous voyez l'école là-bas. Mm-hmm. L'école, ça, depuis 1980, c'était soleil. Dis-moi pourquoi je me campais, non? 40 ans après. Et comme ça qui va l'année dernière, oui. Le meilleur score de la République aux examens de 9e année fondamentale. Il y a 2500 timons là-dedans. Ils n'ont pas payé collage, ils n'ont pas payé uniforme, ils n'ont pas payé frais. Là, nous sommes capables de manger chaque jour. OK? Et timons, ça, 360 à proposer l'examen 9e année fondamentale, 3 pas passé. Donc, ne qu'ils soient pas même. Nous commençons vivre Cité Soleil. Nous faisons 14 ans Cité Soleil, la Boto, Cité Soleil, la Fossette. Nous faisons l'hôpital Fond Liberté. Nous faisons 103 en main. Bah, on va nous qui soit parlé. Si vous êtes pas faire ça. De qui ça a parlé, c'est parce que moi, face à un entrepreneur, moi, face à un investisseur, l'elle te par exemple 10 gouttes dehors. Tu as posé une question pour qui ça me dit un entrepreneur. Non, l'elle mette. C'est parce que tu mettais une dehors Cité Soleil. Pouvoir politique qui te mette en dehors. C'est ça qu'on pose une question. Pour qui s'amène une entrepreneur dans le pays, c'est lorsque le président de la République te dit, le m'a quitté Cité Soleil, mais le président de la République, je remarque que ce pays ne veut pas que ce cerveau, parce que je toujours considéré que je ne pas faire le taux, descendre le baccalauréat en seconde, je ne pas faire fausse modestie pour me dire que je considérais que ils ont capacité de dire au président, je ne pas citer moi. Le président, je remarque que ce pays ne veut pas que ce cerveau fasse du bien, il va aller faire de l'argent. Le président m'a répondu, c'est raisonnable. C'est ça pour dire. C'est pas là pour me dire, je déjà, réellement, c'était fini carrière, moi, comme ministre de la Santé, on m'a répondu ça. J'étais toujours aimé pour m'occuper de la population. Je voyais mal faire l'autre bagaille. Comme ça me fait me faire bien, ouais, tout ça me fait envie faire bien. Moi, je suis en interview. Tout business me gagne. Tout business qui a acheté en faillite, changez ça. Oui, m'songez qu'on t'a parlé de ici à là, à nos émissions en faisant avec nous. Okay. L'opportunité. Ou qu'on capacité comme si pour que les opportunités à venir ou saisir et que qu'on ait un grand deal. Mais je dis, m'a parlé de haut avec un investisseur. On est capable d'investir l'argent sur entrepreneur. S'il mettait 10 gouttes de côté, c'est quand même quelque part son investissement. S'il met 10 gouttes, puis devant, l'attente pour gagner 15 gouttes. Kounia? Non, mais d'accord, bon. Mais d'accord, bon. L'homme dit qu'on mettait Cité Soleil, mais t'as pas ton âge. Il est fait parce que moi, il m'a fait du bien. Vous gardez la parole? Moi, il m'a fait du bien. OK? Vivre, c'est social avant tout. C'est ça, moi, mais, Henri. C'est ça, moi, mais. Mal. Ouais, depuis coronavirus, vivre. Que m'a parlé de coronavirus matin, midi, soir. Que moi, mettez chapeau docteur. Je suis un homme qui a repris la passion qu'il avait lors de sa jeunesse en tant que médecin. Nous reprenons la passion ça. Ouais, m'a parlé du coronavirus, mais passionné de ça, m'a parlé. Là, je vais intéresser vous et mon regueil. Pas besoin d'argent. Là, je vais intéresser. Ça veut dire que tu restes où était pour le peuple? Si tu restes où était? Non, je ne vais pas le peuple là, tu restes. Je ne vais pas le peuple là, gros parti l'argent que contrebandier avec corrompu qui est meilleur. Non, plus que les noms, l'aime nous tirer ça. Tirez vie ou c'est pour le peuple là? Non, le reste de ma vie est dédié à la population haïtienne. Mais c'est pas un tirez. Parce que ça me va le faire à 4. Non, Réginal Rob, d'accord, à la joue, on parle plus. Non, pas un tirez. Parce que la valeur de ce que tu fais n'est pas liée à l'âge. Elle est liée à ce que tu fais. Je peux faire en 5 ans pour ce pays plus que j'ai fait pendant 30 ans dans ma vie. Très beau discours. Très beau discours. Merci beaucoup. Très beau discours. Écoutez, Henri, pendant que je suis cité Cité Soleil là, je t'ai aimé saluer militant Ghana. Ghana Joseph, assassiné lâchement il y a quelques jours de ça. Petit peuple Cité Soleil, on est convaincu de vision et de rôle pour changer la société là. Pour faire une société juste. Je dis à ma maman Ghana. Elle a une petite fille 8 ans. Je dis à maman Ghana, tellement aimé Ghana, responsable d'éducation ici de Ghana, jusqu'à ce que je finisse d'étudier. Après,
salue mémoire. Je ne pas la fiancée. Il t'a pas marié. Et mon nous a battu. Faut le fils suspend la bagaille sale et enrugaillé. Faut le suspend la insécurité ça. Nous ne sommes pas capables de continuer comme ça. On n'a pas le de Ghana là, on n'a pas comprendre, j'aime bien l'émotion là quand même. Parce que Ghana, son équipe de travail, qui te croit dans sa affaire, jeune garçon. On n'a pas capable de continuer à tuer le peuple là comme ça. En tout cas, grand pile leader qui mourit dans la cité à tout, donc on est en coup de tirougan, que n'est-ce que tu es lâchement tout. Et où sont les gens? En pile monde, il faut suspendre la bagaille ça. Il faut mettre tout haïtien, tout jeune haïtien, quel que soit côté de l'habité, il faut mettre une chance pour faire réveiller. Très bien, le marché sérieusement. Nous avons deux points de balai, c'est où est là. Moi, regardez dans d'autres pays, moi, ouais, des mondes. Qui dans le secteur privé, bon, l'un des secteurs privés, hein, nous connaissons que depuis que nous n'avons pas dans le public, c'est dans le privé lié. Mais de gros investisseurs, de gens qui ont gros l'argent dans l'autre pays, c'est dans la République Dominicaine. Mais regardez, l'agriculture n'est pas seulement arrêté dans mes paysans. Moi, j'ai un gros investisseur quand j'ai investi dans la question agriculture. Ou proche secteur ça, d'ailleurs, ou qu'on nous yon dans le pays, hein, moun qui gen gros moyens, etc. Selon vous-même, qui ça qui explique nous pas jouer, nous plus jouer des nègres dans le secteur privé, soit cap vendre si du riz, cap mettre du riz dans le sac, des nègres qui n'ont pas vendre motocyclette, des nègres qui n'ont pas magi, des nègres qui n'ont pas vendre toute qualité, cap font si l'argent pas bien rapide pour aller. Et qui ça qui selon même ça expliquait que même gens avec la République Dominicaine nous pas joindre comme si masse moun sa yo investi dans l'agriculture. Trois bagages, Henri. D'abord, faut une politique de développement de l'agriculture. Ça veut dire la République Dominicaine comprend comme exemple. Le Balague a décidé de faire l'agriculture, il fait mes frontières pays. On peut pas faire du riz pour après porter du riz sur non. Qui n'est pas payé de droit, non, parce que. On peut pas faire yeux pendant la République Dominicaine à passer en million de yeux chaque jour sous frontière. On peut pas faire ça. Ok? Donc, quelque part, le premier bagage qui vient, c'est qu'il n'y a pas une politique agricole. Et l'on décide en politique agricole, on a un qui est très important. Faut que d'abord, on décide qui s'appelle fait qui côté. La Timonique n'a fait tel bagaille. Nord-Est n'a fait tel bagaille. Nord-Ouest n'a fait tel bagaille. Grand-Est n'a fait tel bagaille. On baille chaque département vocation. On pas fait tout bagaille tout côté. On définit une politique. Deuxièmement, on met en place une banque de développement agricole. Troisièmement, on forme des agronomes qui, sur le terrain, qui vraiment sur le terrain, le ministère de l'Agriculture aujourd'hui. Sa moyenne d'âge, c'est 58 ans, oui, de ça me donner. 58 ans. Maintenant, ça, c'est un. Deuxième bagage, vous faites. Vous mettez la loi. Vous avez un cadastre, oui. Vous pouvez même acheter un média, me planter la banane. Vous pouvez me battre, me planter la banane. Pas fit banane, non, banane. Parce que j'aime comprendre à faire fit banane, comme de ça. Pendant qu'on a transporté, 50 camions ont transporté banane chaque jour, sauf la République Dominicaine, bon. Bah, j'aime comprendre fit banane. Mais bon, vous, petit bagage. On peut nous marcher en terrain, marcher en 20 carottes, je dis un bon exemple. On plante là avec Anana, et puis demain, vagabond disait bourrier, juge de paix corrompu, mélanger à policier corrompu, mélanger avec avocat corrompu, monter et puis calé, bien calé, je vais sur calé Benoît. Donc, je cherche, bagaille qui est plus facile là. Puisque nous parlons de l'État, nous parlons de l'État dans le pays, on ne va pas faire rien. Ok? Bonjour. MTV, ou option préférentielle pour production nationale, qui vient 4 bagages là-dedans. D'abord, agriculture. Comme je dis, le président décide de faire ce jeune pays, il commande en Chine 50 poulaillers tout montés, et en préfabriqué. Il encourage jeunes dans 50 localités, mettez ensemble formé société. Nous baillons 50 saillots, ils sont chaque capable de produire 20 000 œufs. Vous voyez comment ça fait? 100 millions d'œufs en 6 mois. En 6 mois. 1 million d'œufs. Option préférentielle, nous, c'est textile-là, mais pas textile, c'est t-shirt. Vous voulez faire costume. Vous voulez faire pyjama. Vous voulez faire chemise.
parce que nous pas aimer le mal aux États-Unis mal côté Cap vulnérable et puis nous aller t-shirt là petit maillot et puis moi faire en Haïti et puis nous aller costume là moi faire en République dominicaine parce que là ça mon n'a pas touché 1000 gouttes 1500 gouttes 1700 gouttes par jour parce que où est 440 gouttes là en rue sont absurdité de le dire 440 gouttes qui a payé un ouvrier dans la factory. Et moi, je dis ça, c'est une absurdité. 440 gouttes, ça a été bail, lorsque Goudla était 70 gouttes. Le samedi, 10 présidents journal, mais le téléphone, nous dit, indexé salaire, n'est qu'à toucher en dollars, 6 dollars. Comme je dis à Goudla, 70 gouttes, on mettait là 6 dollars américains. Je dis à ouvrier, t'as touché 670 gouttes, 660 gouttes, pas 440 gouttes. Nous faisons un petit calcul en lui, 440 gouttes ça. L'on retire, transport pour mon emprunt, le plus souvent sur Ticapou, pour arriver sur l'aéroport. Allez-vous. L'on retire, manger le midi. L'on retire, taxe que vous prenez sous l'île, ça qui est terrible là. Que l'État prend taxe sur salaire minimum. Il rentre là qu'il y a 112 gouttes. Il rentre là qu'il y a 112 gouttes. Donc, moi-même, je dis, il faut nous revoir la production textile en faveur de la production textile. Il faut nous garder, on l'a dit, pour nous être capables de faire l'autre niveau. Nous toujours dit, nous toujours dit que les ouvriers haïtiens sont les plus expérimentés en formation. Troisième côté de l'artisanat. Nous avons exploité l'artisanat pour 1 million de dollars. Je dis, on a exploité pour 3 millions de dollars. Et puis, quatrième côté le tourisme. Depuis 8 ans, 5 millions de dollars dépensés la vache, qui sont à l'eau par un rien, au premier pied. Côte de fer, en rien. Labadi, en rien. Comme gaspillé. Alors que nous avons fait tourisme dans le pays. Mais toutes sortes de palais là, inclut l'état de droit. Pendant pas mon cadastre, ou pas vos protection du territoire, la taxe privée sous carrière ça. La taxe privée. Bon, c'est ta complotation, tout le monde. On n'a pas d'état de droit dans le pays, on va avoir sécurité. Comment on va investir dans l'agriculture? Mais même le fermier haïtien, elle livre à lui-même. C'est ça que fait. Pas vos paysans haïtiens qui gagnent pour petit prix, continuer ça à faire. Ce n'est pas normal. Dans tout pays, le fermier, son rêve, c'est que le développeur disait c'est pour petit prix, pour le en Haïti, pas gagner ça. Pour nous récapituler très rapidement, c'est que c'est parce que nous-mêmes, par exemple, dans le secteur privé, qui a des gros moyens, qui n'ont pas investi dans l'agriculture, c'est parce que pas gagné une politique agricole réelle, pas gagné, nous pas sécurisé assez pour que nous soyons capables d'investir l'argent nous dans le secteur ça, c'est ça. Et puis non, et puis il y a un contrôle 24 jours. Il y a un contrôle 24 jours. C'est-à-dire que l'autre du bagage que contrôle 24 jours. Ou casé production agricole, deux fois dans contrebande, on ouvre les frontières aujourd'hui, on est là, on ne peut jamais pas développer production nationale. Mais, regardez, nous prenons 1,8 milliard de dollars de la République dominicaine n'importe chaque année. 1,8 milliard de dollars. Sur une moyenne de 25% de droits de douane et taxes pour nous toucher, ça veut dire qu'il faut rentrer 450 millions de dollars. Pour nous rentrer 100 millions. Et 350 millions de dollars peut-être à terre. Mais ce n'est pas seulement ça. Combien nous voyons en République dominicaine? Il n'y a pas de quitter en travers. Il n'y a pas de quitter en travers. Parce que même le protéger la production nationale. Mais les troupes, c'est ça l'a dit là. Les troupes montent tarifs sous la Chine, les montent tarifs sous le Canada, les montent tarifs sous l'Europe. C'est dit le jour. Moi-même, je veux que les Américains travaillent d'abord. C'est pas différent. Cuba, c'est ça Cuba fait. Cuba a un peuple de santé universelle, il a un peuple d'éducation universelle. Et puis je dis, bah, il peut plus manger matin, midi, soir. Maintenant, nous parlons du système socialiste, nous parlons d'un système qui par une initiative privée. Il faut créer l'initiative privée. Il faut que chaque jeune haïtien ait un rêve dans tête lit et que rêve ça a l'envie de réaliser et nous avons l'opportunité pour le réaliser. Dernier point, pour avoir su la région. Nous avons dernier petit mot sur le rêve là. On n'a pas encore créé le rêve haïtien. Le rêve haïtien aujourd'hui, il est canot ou bien visa. Ça va garder développer le pays. Visa à qu'on n'ait pas qu'à développer le pays. Il faut rassembler tout Haïti autour d'un rêve, autour d'une vision de modernité, de lutte contre la pauvreté, de prospérité, de solidarité, de partage social, de justice sociale. C'est ça. C'est la parole. Et on va me dire aussi bagaille.
m'investis dans l'agriculture quand même. Moi-même, ma femme nous dit. Nous investissons non seulement dans l'agriculture en plein nom, la faire raisin. Tout raisin pays qu'on va vendre dans des limites, c'est ici qui fait. Tout en an pays qu'on va vendre dans des limites, c'est ici, c'est nous-mêmes qui fait. Ok? Même fraise nous fait. Nous vendons dans des limites. Maintenant, en plus de ce qu'on ça nous fait, bon barrage dans la plaine là. Que Américains avec Haïtiens dépensaient 10 millions de dollars il y a 10 ans pour le faire. Mais Haïtiens pour les 3-4 pour la barrage a presque crasé. Nous sommes investis 45 000 dollars américains pour manger le barrage là, nous baillons 7 000 paysans de l'eau. Mais ça nous fait tout. Ce n'est pas œuvre. Ça, c'est travail dans le travail pour le développement pays. Bon, ça très important. Gonzo, mais qui dit que soit demandé pour factory, est-ce qu'on fait la caillou? Qui a 20 jodia au taux du jour? Bon, me répondre tout de suite. Ça veut dire, est-ce qu'on peut employer la caillou en dollars? Puisque non, tout soit après que les jodia dans l'entreprise, c'est dollars. Je ne comprends pas ça, me dit. Je dis, monde qui touchait, investisseur qui touchait en dollars. On ne peut pas demander production nationale. C'est pas seulement moi-même. Mais à ce moment, on parle de tout le monde qui travaille dans le pays. Depuis le travail, il faut payer un dollar. Non, on va parler de, non, factory qui rentre en seconde régional. On parle de factory. Non, on va parler de textile. Oui, on va parler de textile. Le textile rentre en dollar. Oui, on va parler de dollar. Mais le monde qui travaille dans l'autoplaza, par exemple, quand on va vendre machine, c'est dollar. Attendez. Vous allez prendre tout de suite. Depuis lorsque était fixé ça, le minimum à 500 gouttes, là, on demandait pour 565 gouttes. Et l'heure, pas te mettre 565 gouttes, là, me dit moi-même, m'a payé salaire minimum 565 gouttes. Ça, c'est premièrement. Deuxièmement, bah, on voulait qu'on touche salaire minimum, là, quand même. Bah, on qui touche salaire minimum, là, quand même. Non, mais un peu salaire, ça, autour, par exemple. On moun, là, quand qui t'a touché, par exemple, 25 000 gouttes. Ok? Il t'a touché 25 000 gouttes, non, période dollar. Ok? On dit, il t'a touché 25 000 gouttes, les dollars, t'es 70. Oui. Jodia, par exemple. Mounsa, que je dis à dollars 110 gouttes. Dollars 110 gouttes. Est-ce que Mounsa toujours dans même? Non, il n'y a pas qu'à poser une question ça. Parce que le businessman a dit de c'est tout suite. Vous pensez même que si tu as acheté machine, Mounsa a garanti dollars. Non, c'est ça là où vous avez gagné. Non, mais même si Mounsa n'a pas entré dollars, d'accord, lâche l'auto du jour. Non, pas comprendre ça, dollars là. C'est-à-dire que pour le business qui a géré en Haïti, il faut que le revenu augmente tout. En gouttes, le revenu pas augmente en gouttes. Le revenu descend en gouttes, je dis. Parce que si je vais vendre 30 machines, moi, je vais même vendre 10, bon, moi. Donc, même si je suis violent en goutte là, le revenu dans le goutte diminue. Pour nous, nous comprenons, nous sommes dans une économie aujourd'hui moribonde. Moribonde, c'est-à-dire une économie qui a mouru. OK, le coronavirus vient de tuer le net, parce que j'ai rejeté le coronavirus là, c'est abscès sous clou. Je veux dire, c'est ça que je fais, pour trouver une solution, un jour. On t'a investi, je veux dire, 25 millions de dollars dans l'agriculture. Comment ça t'a fait? En fonction de zone. On t'a distribué semences à planture avec un grain dans tout le pays en fonction de zone et semences. Et on t'a distribué seulement semences en grain qui gagne récolte rapide. 2 mois, 3 mois, 4 mois, 6 mois. Quoi? Maïs, pommes de terre, patates, oignons. Parce que dans 3-4 mois, nous avons un problème de manger dans le pays, ça a terminé. Et on va aller sur le dollar, on va l'expliquer au dollar. Qui implication, ou même par exemple, comme entrepreneur, Réginal Boulos, dans monter le dollar? Aucun. Parce que ça a été mal écouté. Regardez, même je ne sais pas, je ne vais pas défendre personne. Mais le dollar, a une explication très claire sur lui. Ok? Il a une explication très très claire sur lui. C'est pas mal avec consorité. Et vous pensez que le monde qui a fait de la montée, sont question de l'offre et de la demande. Ok? Bon, je dis bagaille. Et là, tout parler de post-Covid-19. Là, nous dit post-Covid-19, mais Covid-19, faut qu'on va aller sous nous. Même Bravio, l'un de l'autre, commencer à établir. C'est quoi le problème du dollar aujourd'hui? Est-ce qu'on connaît que le transfert diminue de 25 à 30%? Bon. Aujourd'hui, on a 33 millions d'Américains qui perdent du job. Nous avons 26 millions. Là, deux grands piles haïtiens. Haïtien pas beau et dollar encore. Nous diminuons le dollar de 25 à 30%. 25 à 30% veut dire à peu près. À peu près, si vous mettez pas à peu près, si vous mettez à peu près et 200 à 300 millions de dollars par mois que nous recevons,
nous perdons 100 millions de dollars. Nous perdons 80 millions de dollars. C'est moins de dollars qui entrent dans le pays. Mais c'est même quantité de monde qui peut manger. Donc, nous, ça a eu de dollars à chercher. Et nous, qui a commandé, nous besoin de dollars pour commander. Nous avons besoin de gouttes dans l'air. Deuxièmement, le gouvernement dit qu'il a dépensé plus. Donc, plus de gouttes dans la rue. Plus de gouttes dans la rue. PIB nous pour diminuer, mais estimé à 10%. Pour nous comprendre ça, nous dit, PIB nous, après le tremblement de 2010, est diminué de 5%. C'est ça que tout le monde parle, il dit que COVID-19, là, son tremblement de terre, on s'y peut mélanger. Donc, l'évaluation du droit vient du fait que le facteur campé, moins importation de là, tout. Facteur campé, on vient de partir. Facteur, on sort parler de l'euro. On va recevoir de là, ça y est encore. Donc, nous avons moins de dollars. Nous allons utiliser même quantité de goudes là. On n'a pas besoin de dollars pour acheter le monté. Mais pour qui ça nous fait? Pour qui ça fait toute pression ça sur le dollar, par exemple? Même sur le jour, nous sommes expliqués au là. C'est-à-dire que c'est une question de l'offre et de la demande. Si nous avons 10 millions de gouttes dans même, je vais chercher le dollar, je ne vais pas besoin. Mais qui vient de dollars pour le monter sur moi? Parce que lui-même, son va éviter 20 000 touches à dollars. Donc, en fait, l'importateur n'a aucun intérêt. Qui est terrible bien pour de la montée, puisque le bal va dans des limites sans goût de bal. Donc, vous allez payer le pichet. Bah, aucun intérêt. Mais je vous dis, selon vous-même, qui est-ce qu'a fait là pour que nous freiner ça? Mon cher, je vous dis honnêtement, je vais parler honnête à vous, je vais avoir un café demain matin. Premier bal, le gouvernement a fait diminuer le gaspillage dans le gouvernement. Suspendre les gouttes dehors, coûter Henri. Coûte 5 millions de dollars, était qu'on paye courant. Côté tout comme sénateur et député, je ne vais pas économiser, je ne vais pas faire moins de déficit. Pendant de la montée, qui sont problèmes pour eux, ils voulaient des petits peuples là, descendre plus de gaz là. Même si on s'active là, dans plus de gaz là, ils ont le peuple à raison si ça durait. Ils ont le peuple à raison parce que là, effectivement, si ça durait, soit ils ont monté le gaz là parce que le gaz là est monté, le peuple a dit là, qu'on descend, on va qu'on descend, pas venir dire moi, monter. Et puis je dis à le descendre, on va le descendre. Ou pas même les dire, ou pas même les parler à peuple là pour dire, en réalité, mais combien écouter, mais combien nous avons un déficit ou un balai déficit. Nous pas connaître. On ne sait pas ce qui se passe. Les petits projets, 162 millions de gouttes d'eau à café, que la Chambre des députés a fait qu'on boit chaque 3 mois, 162 millions de gouttes. Sans père à mamba. Non, mais mes chiffres, ça a quoi de jeune original de. Oh, on t'a publié. Non, on n'est pas 162 millions. 162 millions de gouttes, c'était. Pour payer un café. 162 millions de gouttes. Pour boire un café. On prend un petit contrat, c'est là, de film qui n'a pas existé. Les bas ça. Oh, bon, je vais te dire, chercher le bon. Non, on va pas dire de l'eau à café. Les bas ça. De l'eau à café, c'est ça qui est écrit dans le bagaille là. Ok? Dans qui bagaille? Dans le rapport que tu fais là, son rapport que tu fais. Non, il n'y avait aucun rapport. C'est un bail que la presse, en fait, je t'avais essayé de regarder. Henri, écoutez. Non, Réginald, je suivais très bien ce dossier, son dossier me connaît bien. Je vais te dire, ce que tu ne suis pas, c'est que ce sont des fausses compagnies qui n'ont jamais livré quoi que ce soit. Donc, nous avons dit de l'eau à café. Non, justement, nous avons dit de l'eau à café à mon cap côté là. Non, on ne va livrer rien. C'est de l'eau à café, nous avons dit. Non, on ne va pas mettre pour ça. Non, alors, vous avez dit que nous ne va jamais livrer rien pour nous. Voilà, mais l'eau dit de l'eau à café. Elle même bagarre, elle même bagarre. On va discuter ça. Oui, ça, c'est très simple. Mais elle va de l'eau à café. C'est voir l'LT. Henri, entre nous, c'est voir l'LT. On ne copie pas. Ok. Vous savez dire que jodi un monde cap côté là nous pas même besoin comme si bon moi prendre bien pour il y a 3 dollars nous sous dollars toujours là nous sous dollars oui toujours dollars pour investissement nous surtout dans production nationale là la baisser dollars rapidement parce que n'a pas importé moins donc faut un investissement massif vraiment massif là 27 30 millions de dollars oui un fonds investissement rapide pour pas vite apprendre toute bagaille sorti au République dominicaine. On commence à faire au milieu de la joie. Donc la production nationale est la clé de la stabilisation de la goutte. La relance de l'exportation de l'étude textile et de l'artisanat est la clé de la de règlement. On a eu de la vie plus folle ça. On a eu monté. Ok. Maintenant, même chose, petit bagage. Ouais, dévaluation. C'est nous qui faisons dévaluation. On misait parce que nous importons tout le bagage. Bon, petit bagage, comprenez. Il y a 50 ans, le peso dominicain valait le dollar haïtien qui valait 5 000. Ok? Je dis à l'Ivo, le dollar américain, et vous 5 000,
et yon peso te vaut même dollar haïtien te vaut 5 goud li vaut 38 fois et parce que je dis encore 42 peso bien. OK, c'est à dire que quelque part la monnaie dominicaine a dévalué 42 fois en 60 ans. Nous dévaluons 24 fois. De 5 gouttes, nous passons à 110 gouttes. Radio. Dévaluation, pas de problème. Parce que la République dominicaine n'a pas de problème. De nous gouttes, les personnes là quand même monté à 60 personnes, pas de problème. Tout ça, la manger pour du lagaille. Il va importer. C'est là, vous allez. Réginal. Oui. Très important. Vamos dire un petit bagage encore. Non, sous dollar, attendez bien, sous dollar. Et excusez-moi, ça va faire souvent, oui. Mais et moi j'ai un monde qui a une proposition pour dollar descend, et il dit qu'il t'a aimé, dit ça. Oui. Est-ce que ça permet maintenant?